Yo les potes, c'est Xinar, j'espère que vous allez bien les gars. Je tiens surtout pour une petite vidéo pour unbox cette JBL Flip 5. Donc elle est assez cool, franchement je l'ai acheté aujourd'hui, voilà, elle m'a coûté à peu près 100 €. Et elle a l'air assez bien. Donc on va l'ouvrir dans cette vidéo les gars. Donc merci aux 1300 abonnés actuels qu'il y a sur ma chaîne YouTube les gars, ça fait super plaisir. 1300 personnes, c'est énorme les gars. Donc on va ouvrir ça dans ce petit setup. Donc je vous mets en vue pour unboxer, voilà, la petite boîte, je vous fais un petit tour vite fait. Et bien évidemment, on la testera soit dans une prochaine vidéo, soit dans cette vidéo. Il y a un effet un peu 3D là, c'est assez stylé sur les petites flèches là. Attendez. Voilà. C'est assez stylé, j'aime beaucoup. Et voilà, à peu près tout le tour. Donc elle est étanche, elle a l'étanchéité XP7. Donc c'est la meilleure étanchéité qui existe sur JBL. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le JBL Party Boost, donc ça veut dire qu'on peut relier plusieurs enceintes ensemble, et elle a 12 heures d'autonomie, ce qui est pas mal les gars. Allez, je vous passe en mode unboxing les gars, à de suite. Donc mes petits potes, on se retrouve directement pour ouvrir ce colis, elle a l'air plutôt pas mal, cette boîte plutôt. Donc on va enlever ces deux petits scotch là, comme ceci avec le petit couteau. Alors, faut trouver l'encoche, tac, et de une. C'est assez simple à enlever en soi. Hein. Hop là, attendez. Et de deux. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. On va ouvrir juste là. Tac. Et là, normalement, les gars, non, voilà, j'ai été sûr. Deux petites pochettes de chez JBL. Donc la boîte, voilà, à l'intérieur, c'est vide et il n'y a plus rien à faire. Donc on va la poser là. Et on va commencer par cette petite pochette. De chez JBL, assez stylé. Hein. Donc on va l'ouvrir. Et dedans, normalement, il y aura le câble de chargement, les notices et un petit livret JBL. Voilà. Leur petit livret. Donc je sais pas si. Franchement, voilà. Plus la flemme de le lire, de toute façon, c'est une enceinte. Ça ne devrait pas être bien compliqué à utiliser. Un sachet, ça c'est super important, gardez-les. C'est pour la... tout ce qui est l'humidité. C'est plutôt pratique. Donc on a des notices de chez JBL. Et on a cette feuille, je ne sais pas ce que c'est. S'il y en a qui arrivent à lire le chinois, dites-moi ce que c'est les gars, mais franchement j'en sais rien. Et comme je vous ai dit, juste ici, le câble pour charger l'enceinte. Ensuite les petits pods, donc ça on va le mettre de côté pour l'instant, on s'en fout un peu. Tac. On a directement la petite boîte, voilà, avec écrit JBL dessus, c'est assez stylé, assez sobre. Donc là les gars, juste en dessous, il y a l'enceinte. Franchement, voilà, c'est assez simple, donc on va l'ouvrir. Attention. Tac. Voilà. On ouvre ça. Et on a directement l'enceinte JBL qui est dedans. Tac. Voilà. Donc elle est assez lourde. Est-ce qu'elle a de la batterie? Premier allumage. Elle a de la batterie, les gars. Elle a une assez bonne basse, c'est ce que je vois. Elle s'est mise directement en Bluetooth. Rien à dire. Toute seule, elle se met en Bluetooth, donc on va essayer de la connecter. D'activer le Bluetooth sur mon ancien téléphone. Comme vous voyez, voilà, ça clignote tout seul. Ça, normalement, c'est étanche. Mais avec la prise ouverte comme ça, je suis pas sûr. C'est une facture internationale. Ça, ça doit être une certification, je sais pas. Elle sent bon. La lanière est stylée, les gars, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vachement stylé avec écrit JBL. Vachement, vachement stylé. Donc, on va la chercher. Est-ce qu'on la trouve? JBL Flip 5, elle est là. Elle est connectée. Elle sent vachement bon. Une odeur de... Oh. Elle a fond. Alors, on va aller chercher une petite musique, les gars. Je vous fais une pause. Et on se retrouve dès que j'ai trouvé la musique. À la suite. Donc, voilà mes petits potes. On a l'enceinte. J'ai trouvé le beat. Donc, c'est sur machine secondaire, les gars. Attendez, je vous fais le petit focus. Hop, là. Donc, c'est sur machine secondaire. C'est mon premier beat. On va mettre directement le son à moitié. Elle a une bonne basse, hein. On va mettre le son à fond, les gars, pour voir. Elle a un très bon son.
les boutons marchent. C'est pas mal. Alors, on va la poser là. En général, franchement, j'ai plutôt rien à dire sur cette enceinte. Elle est pas mal. Voilà, elle est bien faite, elle est bien écrite. Elle est stylée. Les finitions, elles sont très très belles. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, je vous la mets un peu la lumière de mon setup. Vous voyez bien qu'elle est, est vachement bien faite. J'aime beaucoup. Vous voyez bien qu'elle s'allume de tous les côtés. C'est vachement stylé. Voilà, si on la pose comme ça. Tac. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. On va l'éteindre pour essayer de garder un peu de batterie quand même. Alors, par contre, je connais pas encore les boutons. Voilà. Elle est éteinte, les gars. Franchement, elle est pas mal, voilà, donc j'ai mis mon premier bit, franchement, il est pas fou, je vous mettrai en haut à droite de votre écran, mais il est pas tip-top. Donc, elle est vraiment parfaite, j'ai envie de vous dire. Et voilà, elle a coûté 100€, les gars, c'est la JBL Flip 5, et elle est nickel. J'ai remarqué que les basses se désactivent passé un certain son, mais elle est vraiment, vraiment pas mal, j'aime beaucoup. A voir si elle marche avec l'étanchéité, normalement, oui, elle est certifiée XP7, à voir. Franchement, nickel. Elle est... Normalement, elle est testée. Mais voilà, l'allumage, déjà, elle a un beau bruit. On entend bien les basses pour une fois sur une enceinte. Là, se connecte directement. En plus, rien à dire. Voilà. Tac. Et ça va s'allumer d'ici quelques temps. Pas mal, pas mal. Franchement, rien à dire dessus, les gars. Bref, mes petits potes, on va se retrouver. Hop là. Tac. Alors, je vais me mettre devant mon setup. À la suite. Donc mes petits potes, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification, ça me fait super plaisir les gars et c'est le seul moyen gratuit de me soutenir. Pour l'instant j'ai pas encore le bouton rejoindre mais quand il y sera bien évidemment vous pouvez, mais je vous incite pas. Du coup mes petits potes, voilà petite vidéo sur la JBL Flip 5, elle est vraiment nickel, j'adore, j'aime beaucoup. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les gars, c'était Xiner, peace.